tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Duct Tape. Je vais vous montrer comment réaliser ces petites pochettes. Vous aurez besoin d'une planche de découpe ou d'une planche de carrelage, deux couleurs de duct tape, ici du noir et du rouge, d'un marqueur, d'une paire de ciseaux, d'un scalpel ou d'un cutter, et d'un gabarit de coupe précédemment découpé dans une feuille A4, ainsi qu'un peu de velcro. Donc je commence par prendre mon duct tape de couleur blanche car ici je vais réaliser la pomme. Donc la pomme est blanche et rouge ou blanche et verte si vous le souhaitez. Donc je vais dérouler ma bande de duct tape sur ma planche de découpe. Et je vais maintenant prendre mon gabarit. Donc là il est découpé dans une feuille A4 tout simplement. Et je vais le mettre à côté pour voir plus ou moins la dimension que j'aurai besoin. Donc je coupe un petit peu plus large histoire d'avoir un peu de marge par la suite. Donc je coupe, ensuite j'enlève mon gabarit et je vais ainsi superposer plusieurs bandes jusqu'à obtenir la hauteur nécessaire. Je repose mon gabarit pour être sûr d'avoir la bonne hauteur. Lorsque c'est bon, je décolle, donc toujours en commençant par la première bande posée. Et je mets cette partie de côté. Je vais ensuite renouveler l'opération et faire la seconde identique à celle-ci. Et voilà, j'ai les deux. Donc lorsque les deux sont faites, je vais venir tout simplement les superposer l'une sur l'autre, en mettant les deux côtés collants l'une contre l'autre. Donc je prends bien mon temps pour cette étape car c'est vraiment la plus complexe à mon sens. Lorsque c'est fait, j'obtiens donc un rectangle de même taille et lisse des deux côtés. Donc je vais maintenant venir prendre mon gabarit de coupe, je vais le poser dessus et je vais découper tout autour. Lorsque j'aurai fini cette partie, je vais en faire une seconde de la même façon. Donc là, je termine mes découpes et hop, je vous montre la deuxième. Par contre, la deuxième, l'intérieur sera jaune car je n'avais plus assez de blanc. Donc pensez à vérifier ce petit détail avant. Donc lorsque vos deux sont faites, eh bien vous reportez le gabarit du premier sur le deuxième et vous recoupez. Donc pour que mes gabarits soient exactement de même taille, déjà je vais rectifier le bas et enlever la partie collante ici. Mais bon, ça dépendra de vous et de comment vous avez superposé vos bandes tout simplement. Ensuite je pose le premier gabarit sur le second et je vais venir les fixer à l'aide d'un tout petit morceau que je vais retirer après, mais c'est vraiment pour être sûr d'avoir les deux parties identiques. Donc là j'utilise plus mon gabarit, j'utilise ma première coupe. Je pose la première sur la deuxième en mettant bien l'intérieur sur l'intérieur. Je mets un petit morceau ici pour maintenir le tout et je vais découper tout le pourtour. Et voilà, on a nos deux parties, donc moi j'aurai un intérieur blanc et un intérieur jaune. Je mets les deux intérieurs l'une avec l'autre
comme ceci. Et on va venir fixer notre pochette. Donc je choisis bien l'essence et il est très important de respecter ces sens pour ne pas avoir une pochette qui n'a pas les mêmes dimensions. Donc je prends une première partie, je mets l'intérieur contre mon tapis, l'extérieur vers moi. Ensuite, à l'aide d'un petit crayon à papier, je vais venir dessiner mon gabarit mais en plus petit, histoire de positionner la peau de mon fruit correctement. Donc ça va tout simplement me servir de repère. Donc étant donné que c'est du crayon à papier, ça s'effacera tout seul par la suite, et avec notre scotch, de toute façon, on ne le verra plus. Donc là, je dessine grosso modo un contour un peu plus petit. J'essaie de faire plus ou moins la même largeur des deux côtés, ça fera toujours plus joli. Ensuite, je vais venir prendre mon scotch rouge pour faire la peau. Je vais venir tout simplement le mettre sur mon plan de travail et je vais venir en découper plusieurs petits morceaux. Donc la taille n'a pas du tout d'importance, essayez de les faire petits parce que ça va être beaucoup plus facile à travailler. Donc je vais venir prendre un premier morceau, je vais le positionner sur le bord en ne dépassant pas la ligne que l'on a fait au crayon papier. Donc je le pose comme ceci. Ensuite j'en prends un deuxième. Et on le place juste en dessous en les superposant l'un sur l'autre. Donc si ça dépasse un tout petit peu de la ligne, c'est normal puisque notre trait est courbé et notre scotch est droit. Donc on viendra par la suite recouper au scalpel. Donc je prends mon troisième morceau, je le replace en dessous. Vous pouvez tout faire d'un coup ou y aller par parcimonie comme moi je vais faire. Donc moi j'y vais par deux ou trois bandes. Une fois qu'elles sont posées, je vais retourner mon ouvrage. Donc je pose la troisième. Voilà, je retourne mon ouvrage et ensuite je vais rabattre. Mais pour rabattre et pour que notre arrondi reste bien arrondi, on va recouper notre bande par 3 ou par 2 en fonction de la largeur de celle-ci. Donc de cette façon, l'arrondi de notre fruit va bien être respecté. Donc je fais ça pour tous les morceaux et je fais ça pour tout le contour. Une fois que c'est fait, ça nous donne ça et on voit bien que les traits sont, ne sont pas très arrondis. Donc à l'aide de notre scalpel, on vient fignoler le contour. Donc n'appuyez pas trop fort de sorte à ne pas transpercer votre ouvrage. Allez-y par plusieurs coups si nécessaire. Prenez votre temps car c'est vraiment la finition, c'est ce qui va rendre votre ouvrage un peu plus joli. Donc je fais ça sur tout le tour et ensuite je vais faire la même chose bien évidemment sur mon autre partie. Donc voilà, les deux parties sont faites, donc on les remet toujours intérieur sur intérieur. Et là, on va venir les assembler de sorte à pouvoir fermer notre pochette. Donc je mets un petit scotch en haut pour sécuriser et pour être sûr que ça ne bouge pas lors de mon travail. Et je vais venir répéter l'opération avec des morceaux beaucoup plus petits cette fois-ci. Donc là, l'idéal est de prendre des morceaux assez fin, assez petit pour ne pas que ça dépasse sur la largeur que l'on vient de découper précédemment. Donc sur les bords droits, vous pouvez prendre sur le sens de la largeur comme ici. Par contre, après ça va s'arrondir. Donc là, je vais plutôt mettre ma bande de scotch sur le sens de la hauteur. Donc je mets sur le sens de la hauteur juste en dessous. Donc je fais attention qu'il n'y ait pas de trou, c'est très important. Et ici, ça va dépasser un petit peu, donc je vais venir recouper en dessous avec mon scalpel. Et je vais faire ça encore tout autour. Donc voilà, ma pochette est fermée.
pouvez voir que ça ne bouge plus, donc faites bien attention qu'il n'y ait pas de trou entre chaque scotch. Donc là, je vais retirer celui-ci et je vais venir faire la petite languette qui me permettra de fermer ma pochette. Donc pour cela, je vais venir prendre tout simplement deux bandes de rouge, puisqu'ici c'est une pomme. Vous pouvez le faire blanc si toutefois vous préférez. Je vais venir donc étaler deux morceaux identiques de rouge que je vais venir superposer les uns sur les autres, donc côté collant sur côté collant, bien évidemment. Une fois que c'est fait, on ajuste. Si c'est trop long, vous raccourcissez. Si c'est trop épais, vous affinez. Donc vous coupez les pourtours avec votre ciseau. Vous posez votre morceau sur un côté, vous vérifiez que ce soit égal des deux côtés. Et là, on va venir remettre un petit morceau de scotch rouge. Donc ne le faites pas trop large, il faut que ça corresponde plus ou moins à la largeur de ce morceau, mais un petit peu plus large pour qu'évidemment ça tienne sur le blanc. Donc vous pouvez bien évidemment faire ce rabat en blanc. Moi, je n'avais plus de blanc, donc je l'ai fait en rouge. Ça se fondra encore mieux dans le fruit. Donc là, on voit bien que c'est beaucoup trop grand, c'est beaucoup trop large. Donc je vais venir tout simplement le découper un petit peu. Donc je repositionne bien mon rabat au centre et je mets ce petit morceau de scotch. On appuie bien, on retourne notre ouvrage et ici on va mettre un petit morceau de velcro. Donc vous prenez votre velcro, moi ici c'est du velcro autocollant. J'en découpe tout simplement un morceau, ensuite j'enlève le rabat de protection. Je colle ce morceau sur mon morceau rouge. Ensuite, j'enlève l'autre rabat et je viens rabattre tout simplement la languette sur le devant. J'appuie bien et voilà, mon scratch est fixé. Il ne nous reste plus qu'à décorer. Donc pour décorer, c'est très simple, je vais me munir de marqueurs. Ici, j'en ai testé deux, donc j'en ai essayé plus fin qui, à mon goût, n'était pas assez foncé. Donc j'ai pris un marqueur beaucoup plus gros. Je vous conseille tout de même, moi j'ai testé avec le marqueur sur ces pochettes, ça tient bien mais ça aurait tendance, malgré que c'est du permanent, à s'effacer de temps en temps. Donc si vous voulez, si vous n'avez pas de très bon marqueur, dans ces cas-là vous prenez tout simplement du duct tape noir et vous allez tout simplement découper des gouttes à l'intérieur que vous allez recoller sur votre pochette. Je pense que sur du long terme ça pourrait être beaucoup plus efficace. Là il a fallu que je fasse plusieurs couches pour obtenir ce que je voulais. Donc étant donné que c'est une pomme, on va faire 3 gros pépins. Un au centre et deux sur le côté. Et on fait ça sur le devant comme sur l'arrière. Et voilà, ma pochette est terminée, donc j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Donc l'intérieur n'est pas très joli parce que je n'ai pas spécialement fait de finition, c'était juste pour le tuto, mais je me suis entraînée avant et j'ai réalisé une jolie pastèque que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc la pastèque ça donne ça, j'ai rajouté une petite bandoulière et j'ai un petit peu plus fignolé l'intérieur qui est jaune. Donc j'espère que ce tuto vous plaira, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao !